là, il y a derrière moi, il y a ma série qui s'appelle Curve and Shadows, qui est une série qui rend hommage aux femmes, au corps de la femme, où moi, j'essaie de, toujours dans la mise en lumière de la femme, j'essaie de mettre en lumière ses imperfections et ses défauts que l'on considère comme, comme défauts et qu'il faut cacher. J'essaie de les montrer différemment, j'essaie de les sublimer à travers la, la technique du noir et blanc avec les lumières de cinéma, comme je suis et photographe et cinéaste. Donc j'essaie de sublimer ces petites marques du temps pour justement apporter cette signature d'amour du soi, apporter cette vision, ma vision très personnelle de la femme, dont entre autres il y a des autoportraits. Pour moi, parce que pour moi, la femme, elle est magnifique. Et bien évidemment, comme nous sommes des êtres qui évoluent dans le temps, bien évidemment, notre corps aussi, il évolue. Et du coup, même qu'on se le dise que je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, au bout d'un moment, il va falloir accepter ça. Parce que c'est le corps qu'on a. C'est ce qui fait qui nous sommes, en fait. Et rien ni personne ne pourra le changer, et, sauf nous-mêmes. Mais avant de vouloir changer quoi que ce soit, il va falloir aimer soi-même et accepter qui on est, accepter comment on est. Si on a des vergetures parce qu'on a donné la vie ou parce qu'on a eu du poids et après on les a perdus, etc. Ben c'est pas grave. Ça n'enlève en rien la beauté d'une personne, je pense. Et c'est le message que je transmets. Et du coup, cette série-là, elle a gagné le deuxième prix du prix Paritana en 2020. Et ça m'a fait très plaisir parce que c'est un prix d'art contemporain de renom. Et c'était ma première participation à ce concours-là. Et en tout cas, dans ma philosophie de pensée, ils ont été sensibles à cette démarche artistique et puis voilà et aux œuvres. Et ça, je pense que c'est une des œuvres qui me marque le plus, entre autres. Et puis, un deuxième succès, c'est l'année dernière, au mois de mars dernier, j'avais sorti et un film documentaire et une exposition photo qui s'appelle Debout. Donc, Debout, c'est toujours dans la mise en lumière de la femme, mais je voulais rendre hommage particulièrement à ces femmes qu'on voit tous les jours, à ces personnes même qu'on voit tous les jours. On passe par là, mais sans vraiment les voir, ben, c'est ces personnes handicapées. Parce que pareil, pour moi, derrière leur handicap, ça n'enlève en rien qui ils sont, leur force, leur capacité, leur aptitude. Et justement, je voulais montrer à travers Debout qu'en fait, ils sont debout, elles sont debout. Et des fois, bien plus que nous, les valides. Et surtout, ce que j'adore dans ce projet-là, parce que ça... C'était un projet qui nous a pris quand même à peu près un mois de préparation. Donc c'est une coproduction de Canal Plus Madagascar et Fireflies. Et j'ai réalisé à l'initiative de quatre femmes, dont Fandra Zagapoun, qui est la marraine de l'association AFAM, Filara Safzat, qui est la présidente nationale de AFAM, Nzatina Rassaf Njakout, qui est la directrice générale de Canal Plus Madagascar, et puis de moi-même en tant que réalisatrice et manager de Fireflies. Donc nous quatre, on s'est dit que pourquoi on ne ferait pas un projet où on ne soit pas moralisateur ni misérabiliste, mais qu'on essaie de montrer les potentiels et la force de ces femmes-là. Et dans toutes mes œuvres, je pense que surtout pour les femmes, je milite beaucoup pour la méritocratie. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas de... parce que je suis une femme, que je devrais être traitée différemment, en mieux ou en moins bon, mais parce que je suis juste une personne et que tant que j'ai la capacité ou une autre personne a la capacité physique, intellectuelle, etc. pour faire quelque chose, ben voilà, c'est le message que je transmets à travers toutes mes œuvres. Un dernier projet qui m'a le plus ému et qui entre autres aussi a fait en sorte que j'ai eu cette envergure internationale, entre autres avec mes œuvres, c'est un film documentaire que j'avais réalisé en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, ou 2019, en tout cas courant des deux. C'est un film qui s'appelle Fans. Donc c'était l'histoire d'une mère de famille qui est femme de ménage.
et qui devait joindre les deux bouts chaque mois. Donc elle était livrée à elle-même avec trois enfants, dont des adolescents et un petit garçon de bas âge. Et elle devait travailler, elle devait cumuler 4 à 5 travails par jour pour pouvoir joindre les deux bouts. Et tout ça, elle n'a pas pu aller à l'école. Hein. Mais son plus grand rêve, c'est de voir ses enfants réussir leurs études et réussir. Toujours dans cette même philosophie, c'est que en fait, c'est cette résilience, mais surtout cette force qu'ont les mères, les femmes et les malgaches, que j'ai envie de toujours souligner à travers mes œuvres. Et grâce à cette œuvre-là, j'ai pu être une des lauréates de Africo Féminin qui a été organisée en 2019, qui a été organisée par Canapus International par le biais de Canapus University. Tout ça, tout ce parcours-là, en fait entre autres, je pense, l'obtention d'un prix que je viens d'avoir il y a un mois, le prix Millennials, meilleur jeune leader, moins de 45 ans, catégorie rayonnement international. Et généralement, le domaine de l'audiovisuel, quand on parle d'entrepreneuriat, on est rarement primé. Et du coup, j'étais très honorée d'avoir été nominée puis primée par rapport à ce concours-là. Disons que depuis au moins les 5 dernières années, ou 5-7 dernières années, on est plus focus sur des projets qui mettent en avant l'humain, que ce soit une entreprise qui est plus axée sur leur action RSE ou créer ou ressusciter le sentiment d'appartenance de leurs collaborateurs ou montrer un peu les chaînes de valeur d'une entreprise, même la production, les chaînes de production, mais sans forcément aller dans le commercial pur, mais vraiment de montrer que derrière tel produit, il y a eu ça, toutes ces personnes-là derrière, ces corps de métier-là derrière. Et sinon, comme tout le monde le savent depuis très longtemps, Fireflies est vraiment spécialisé dans les projets corporate, institutionnels. Donc du coup, c'est surtout ça, on continue toujours avec les institutions à vocation développement toujours et qui essaient d'apporter aussi leur pierre à l'édifice pour le développement du pays. Et justement, on discute avec nos clients chaque fois que nous, en fait, notre ligne éditoriale, c'est toujours l'humain. Il faut mettre au cœur de chaque projet l'humain, que tout ce qui se fait est grâce à l'humain. Il faut toujours un facteur humain derrière. Et généralement, on a tendance à oublier ça. Pour moi, chaque corps de métier compte. Et en malgache, il y a un mot qui le dit bien, famine. Donc, c'est se compléter. Et il n'y a pas de petit métier ou de grand métier, que tu sois technicien de surface ou celle qui fait à manger, ou chauffeur, ou directeur de production, ou DG, etc. Chaque métier se complète en fait. Et à chaque fois, donc notre ligne éditoriale, c'est d'essayer de valoriser ça ou de revaloriser ça. Et on demande toujours à travers nos clients, c'est quoi l'impact que vous voulez faire. Ça d'une part, et sinon pour des projets à vocation RSE ou des institutions, on est plus focus toujours sur l'humain, mais pour les bénéficiaires. Donc on fait rarement, voire jamais, de je suis, mais ce sont les bénéficiaires qui par leur expérience, peuvent témoigner d'un tel projet, a pu changer quoi dans leur vie, et c'est surtout ça notre ligne éditoriale. Et on le fait, que ce soit ici ou pour nos clients qui sont à l'extérieur.